Beaucoup de gens s'arrêtent à un geste, comme par exemple la quenelle, pour dire que toi tu es par exemple antisémite ou raciste, etc. Mais moi j'ai vraiment l'impression que des fois il y a beaucoup plus de racisme dans un regard, dans une attitude, dans une manière de faire que dans un geste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le geste de la quenelle, pas en pensant antisémite. Ils font le geste parce qu'ils se disent on va la mettre dans le cul du système. Parce que c'est les médias et la télévision qui sont en train de vous mettre dans la tête que ce geste, il est mauvais. Mais vous ne devez pas faire les choses par rapport aux autres. C'est pas un geste qui vous définit. C'est pas parce que tu fais un geste que tu es ce geste. C'est-à-dire que si moi demain je perds la mémoire et je deviens con, je sais même plus ce que je fais, et je me réveille le matin et je fais ce geste-là, alors ça veut dire que moi je suis antisémite. Parce que moi je sais qui je suis. Et moi, dans ma vie, j'ai jamais regardé la couleur de peau des gens. J'ai jamais regardé s'il allait à l'école, s'il allait pas à l'école, si le mec travaille, s'il travaille pas, si la fille, elle est clocharde ou pas. J'ai toujours respecté les gens de la même façon. Parce qu'on est tous des êtres humains. Alors moi, je vais vous dire une chose, parce qu'on parle beaucoup d'antisémitisme, on parle des juifs, etc. Moi, j'entends tous les jours des gens critiquer les Arabes. Critiquer les Arabes parce que soi-disant, c'est des merdes et des voleurs, et qu'ils sont pas bien et tout. Et je l'entends tous les jours. Tous les jours, je l'entends. Pourtant, là, on crie jamais au scandale. On dirait qu'il y a une communauté que si on parle d'elle, c'est grave, mais toutes les autres, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais vous dire une chose par rapport à tous ces gens qui pensent que les Arabes, etc. Moi, mon téléphone, mon Galaxy S3, si c'était pas pour un Arabe qui a carrément fait tout le détour en voiture pour me chercher et me le donner en main, j'aurais pas de téléphone aujourd'hui. Et c'était un Arabe. Vous savez, un arabe, ouais, avec la barbe et qu'on aurait dit que c'était un terroriste. Il me l'a donné. Et quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites que c'est vraiment dans la tête le racisme. Et des fois, on a tellement peur de l'autre qu'on le fait devenir raciste, même quand il ne l'est pas. C'est comme moi. Il y a des gens, ils m'envoient un message. Quand je suis le mec le plus ouvert et le plus universel que peut-être ils ont jamais vu de leur vie, et ils viennent me dire à moi que je suis antisémite parce que j'ai fait une quenelle dans une vidéo. Une vidéo que j'en avais rien à foutre, j'ai juste mis pour plaisanter. Parce qu'apparemment, même plaisanter et faire le con, c'est interdit. Les gens, ils sont dans des boîtes aujourd'hui, hein. Si tu sors, si tu restes dans ta boîte, là, il n'y a pas de problème. Si tu sors de la boîte, alors là, les gens, ils te prennent pour un débile, un malade mental. Et voilà quoi, il n'y a pas de problème. Pour ça, il n'y a pas de racisme, hein, pour insulter les gens. Moi, je trouve qu'il y a aussi du racisme de critiquer la différence de l'autre. Je sais pas si vous pensez que je suis un robot ou vous pensez que j'ai pas de cœur, mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine d'être traité comme ça parce que je suis un garçon qui a toujours fait des messages universels. J'ai toujours été un garçon qui était là pour les plus faibles. Quand quelqu'un se fait insulter, quand quelqu'un se fait humilier, ben moi j'ai toujours été là pour le défendre parce que moi j'ai toujours estimé que la différence c'était quelque chose de beau. Et le courage de faire quelque chose de différent, c'est quelque chose aussi de beau. Mais les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils ne regardent pas avec les yeux. Ils regardent avec la haine. C'est pas que quand ils regardent quelque chose, ils regardent le beau de la chose. Non, ils s'arrêtent juste au mauvais. Et ils regardent tellement le mauvais, hein, qu'ils oublient de regarder les belles choses. Parce que dans tout acte, même le plus mauvais, hein, si tu regardes vraiment bien, eh ben tu peux trouver un peu de lumière. Et c'est ça qui manque chez les gens. C'est qu'à force de se focaliser sur la haine, la violence et les mauvaises choses, eh bien, ils n'arrivent pas à cueillir le petit message d'espoir que peut se trouver dans chaque chose. Et moi, j'ai toujours appris dans ma vie à ne pas juger quelqu'un. Et à toujours garder les yeux grands ouverts. Parce qu'une personne, c'est infini. Aujourd'hui, tu es une personne, tu as peut-être appris des choses, et peut-être demain, tu te réveilles et tu es une autre personne. Parce que tous les jours, on apprend. Et tous les jours, on évolue. Et penser qu'une personne. Par exemple, il y a plein de gens, par exemple, ils ont vu une vidéo de toi, ils disent ce mec il est con. Eh ben, ces genres de, il y a des gens comme ça qui changent plus d'avis sur toi. Il est con, point. Et même si après tu fais des choses magnifiques, et même si après tu es peut-être complètement différent dans les années à venir, eh ben, pour eux tu seras toujours un con. Eh ben, pour moi, les vrais cons, c'est les gens qui pensent comme ça. Parce que leur esprit, hein, pour moi, il est tellement fermé qui se coupe à une richesse incroyable. Voilà, merci.